Bona tarda. Bona tarda a tothom. Iniciem la primera edició dels debats d'educació d'aquest eh, 2011, novament en aquest eh, magnífic auditori del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, que, que bé que ja és l'escenari habitual dels, dels debats d'educació. En aquest sentit hem de donar doncs, les gràcies ja per començar al MACBA per la seva col·laboració en aquesta iniciativa i per les facilitats que ens dona sempre a l'hora de portar a terme aquests debats i també d'enregistrar-los amb una bona qualitat. Debats d'educació, com probablement la majoria de vosaltres sabeu, és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i dels estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Aquesta iniciativa es va posar en marxa l'any 2003. Ens trobem doncs, ja en la vuitena edició, mantenint la, la fita dels debats d'educació sempre doncs, en el punt de mira, aquest objectiu de contribuir a la conscienciació de la societat en general, i, dels, i de les institucions, dels professionals, dels líders d'opinió, en particular, sobre la necessitat de debatre el futur de l'educació com a motor de les polítiques de desenvolupament i de sostenibilitat social. Es tracta doncs, de promoure un, un fòrum de discussió adreçat a la societat en general, a la comunitat educativa en el seu sentit més ample per la sensibilització, en torn de les qüestions que, a què ha de donar resposta al nostre sistema educatiu en una societat com la nostra eh, i en un context polític com el que estem vivint i social eh, complex. Per aquest eh, propòsit, aquest curs, eh, ja hem comptat amb la intervenció del professor emèrit de la Facultat d'Educació de la Universitat de Stanford, Larry Cuban, que va ser aquí amb nosaltres el mes eh, de novembre passat, per tractar sobre els dilemes polítics i, i docents de l'ús de les TIC eh, a l'aula. Els que no hi vareu poder assistir o els que sí que hi vau assistir però voleu recuperar la seva ponència, eh, la trobareu en l'enregistrament eh, a la web dels eh, debats d'educació, així com, eh, el, de fet, el de qualsevol altra de les ponències que hem anat eh, recollint en aquest debat. Avui eh, iniciem el primer debat, com deia, d'aquest any, mantenint un altre dels de, nostres eh, compromisos. Eh, incorporar al debat mirades alternatives que puguem obtenir del context eh, immediat, però també el contrast provinent de l'òptica internacional que en el cas d'avui ens arriba de la mà del professor Genifs Rocher, per parlar-nos de l'evolució de les polítiques d'educació prioritària davant el repte de la igualtat. Però no seré jo qui presentarà el nostre convidat, serà l'Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, que us presentarà el ponent amb més deteniment i també la problemàtica que li hem demanat que abordi. Molt bé. Bona nit, benvinguts, benvingudes tots gràcies per venir. Bé, és, realment és, 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 interessant el títol de, de, la, de la presentació que farem avui i especialment el, el ponent, Jean-Yves Rocher, és psicòleg, és professor de Ciències de l'Educació a la Universitat de París 8 de Sant Denis i membre fundador del grup de recerca Escol d'Educació i Escolarització. la seva carrera gira al voltant de processos de construcció de desigualtats socials en l'accés al coneixement i la formació, les polítiques d'educació prioritàries de França i Europa, la relació dels infants d'entorns populars amb l'escola i el coneixement, les pràctiques d'ensenyament i d'aprenentatge en entorns populars o la relació entre els aspectes cognitius i subjectius de l'experiència escolar, entre d'altres. En Genivs és, és corre en cap de la revista Revue Française de Pédagogie, principal revista francesa de, de recerca en educació, i també és director de la col·lecció Fòrum Educació-Cultura de les Edicions Reds. És responsable científic de la xarxa temàtica de recerca en educació receita, recerca sobre la socialització, l'ensenyament, les desigualtats i les diferències en els aprenentatges, que agrupa una desena d'equips de recerca estrangers i francesos. Recentment ha estat un dels coordinadors de la recerca a les polítiques d'educació prioritària a Europa, que s'ha realitzat a vuit països europeus i ha estat finançada per la Comissió Europea. Li hem demanat, li hem demanat que parli sobre l'evolució de polítiques d'educació prioritària davant del repte de la igualtat. Que ens ajudi a respondre les preguntes i després esperem que que, que, entre tots puguem fer un bon debat, que seria com han evolucionat les polítiques d'educació prioritària a Europa. Serveixen les, les polítiques, aquestes d'educació prioritària, o que, o que també es diuen polítiques de focalització educativa per lluitar contra les desigualtats. El tema rellevant al nostre país. Tenim, tenim més d'un 30% de fracàs, un més d'un 30% de fracàs i abandonament escolar i ens, ens, des de fa temps ens plantegem el repte de reduir-lo significativament. No, no és cap secret que les desigualtats escolars i el fracàs escolar no es distribueix aleatòriament entre, entre alumnes i famílies, sinó que es tendeix a concentrar en certs grups, en certes escoles, en certs territoris. Per tant, qualsevol política que vulgui lluitar de forma decidida per reduir aquest percentatge tan, tan preocupant, Uh, no podrà partir segurament només de la reforma de la institució escolar, de la reforma general de l'educació, o de la transformació no? de, de com eduquem, tampoc podrà partir de destinar només més recursos homogènics, sinó no que haurà en alguns moments, en algunes polítiques, de focalitzar, d'apostar per, per identificar on hi ha potser problemàtiques específiques, on hi ha una concentració o una reproducció de fracàs més sistemàtic i de, i de plantejar d'alguna manera una certa una, una certa no? d'educació de, prioritària que és, que, és com, que és com el professor el, el, diguem, és el concepte que farà servir aquest professor eh, no són alienes a... a les etapes de les que ens parlarà, les diferents etapes per les que han evolucionat aquestes polítiques, no són alienes a l'experiència d'aquí a Catalunya. Al revés, les identificareu fàcilment. Eh? Trobareu conceptes que aquí han sonat molt, com educació compensatòria, el concepte de necessitats educatives especials, el... Diguem, trobarem la versió per dir-ho així, europea del que serien els plans educatius d'entorn, dels centres o de les zones d'acció preferent o d'educació preferent. Són moltes les polítiques, les experiències al nostre país. Algunes han format part de lleis, de decrets, altres han sigut, anem a dir, marginals, han sigut eh, iniciatives, potser, no? menys, menys formalitzades, però que han requerit pressupost, que han, que han omplert, anem a dir, el llenguatge i la dedicació dins i fora de l'escola. Podem dir en general que han estat poc avaluades o han estat, han estat i tenim poca perspectiva de fins a quin punt serveixen, de fins a quin punt anem a dir són, són insuficients. Tant de bo el, el, el que ens aporti el, el professor ens serveixi després per debatre i, i d'alguna manera il·luminar quines, quins són els criteris, quins són els components que podem aprendre de l'evolució d'aquestes polítiques que ens orientin a les polítiques de demà i de demà passat perquè de ben segur les necessitarem. Moltes gràcies. Merci. Euh, je voudrais commencer par m'excuser de ne pas parler votre langue mais, et donc de m'adresser à vous en français, mais je ne peux pas faire mieux. Euh, voilà, donc je vais essayer de vous faire part de quelques résultats d'une recherche comparative menée dans huit pays d'Europe sur ce que nous avons appelé les politiques d'éducation prioritaire. Euh, qui est une recherche qui est achevée depuis à peu près quelques mois euh, qui a donné lieu à un premier ouvrage en français et qu'on est en train de préparer un deuxième et qui a été mené donc c'est un financement de la Commission européenne qui a été mené dans les huit pays suivants que sont l'Angleterre, la France, la Belgique, la Suède, le Portugal, la Grèce, la République tchèque et la Roumanie. Alors nous nous sommes intéressés dans cette euh, recherche à ce que donc, nous appelons politique d'élection prioritaire, que nous définissons comme des politiques qui visent à cibler préférentiellement non pas tous les élèves, mais des élèves particuliers, définis comme euh, subissant un désavantage scolaire. Donc, qu'on vise à traiter de manière préférentielle par des politiques particulières, politiques particulières qui consistent à donner plus de moyens éducatifs, à renforcer l'action éducative ou à transformer l'action éducative à destination de ces élèves-là. Pour préciser que ce type de politique a un nom commun, politique de gestion prioritaire dans un certain nombre de pays où elle est relativement ancienne. C'est le cas en Angleterre, c'est le cas en France, c'est le cas en Belgique, c'est le cas au Portugal. Mais ce type de politique n'a pas de nom génériques noms communs tels que politiques sont prioritaires dans un certain nombre d'autres pays où on a des programmes qui ciblent différentes catégories d'élèves mais qui ne se nomment pas par un nom commun et c'est le cas en particulier des deux pays qui sont les plus récemment venus à ces politiques euh, ou à ce type de dispositif que sont en particulier la République tchèque et la Roumanie, et euh, je, je viendrai sur pourquoi. Donc mon, mon propos euh, ce soir, euh, ça va être de ne pas euh, entrer exactement dans les détails de ce, ce en quoi consistent ces politiques, on pourra y revenir dans le débat, mais euh, d'essayer de, de montrer euh, le fait que depuis euh, à peu près 30 à 35 ans que ces politiques existent, puisqu'elles démarrent... La première occurrence est en Angleterre au milieu des années 70, puis en France au tout début des années 1980. Donc depuis le temps que ces politiques existent, elles ont considérablement changé. Elles ont considérablement changé du point de vue de leurs objectifs politiques et du point de vue de leur argumentation. On va dire scientifique, entre guillemets, c'est-à-dire des arguments scientifiques mobilisés pour justifier les objectifs politiques, euh, et euh, dont on peut penser. Donc, je vais essayer de vous présenter ce que nous avons appelé trois âges ou trois modèles de ces politiques qui se sont succédés, et qui font qu'aujourd'hui, il n'est pas sûr du tout que ces politiques, même si elles s'appellent dans un certain nombre de pays de la même manière qu'elles s'appelaient il y a 30 ans, soient les mêmes voire même qu'elles poursuivent les mêmes objectifs politiques. Et c'est ce sur quoi je voudrais revenir à. pour préciser que ces trois âges ou ces trois modèles que je vais essayer de vous présenter brièvement se succèdent mais se chevauchent en même temps. On n'a pas, euh, on passe pas brusquement d'un modèle à l'autre sans résidus du modèle précédent, et donc on a une espèce d'empilement de choses. Mais euh, néanmoins, euh, je crois qu'on peut euh, dire euh, et argumenter fortement au vu des, des données dont on dispose, aussi bien donc les données réglementaires, le type, l'analyse du type de politique mise en œuvre, du type d'argumentaire, du type de mode d'implantation. Que, euh, on a des évolutions tout à fait importantes qui sont évidemment euh, inséparables de l'évolution euh, plus générale des manières de penser et de mettre en œuvre des politiques éducatives dans les gouvernements nationaux, voire à l'échelle internationale. Voilà. Donc, je vais essayer de vous présenter cela et puis euh, on verra après, euh, j'espère dans le débat, des choses plus euh, peut-être plus détaillées sur euh, les différentes mesures. On pourrait dire que le, le premier à l'origine de ces politiques, donc elles naissent après des premiers programmes de ce type aux États-Unis, elles apparaissent en Europe, donc je l'ai dit au milieu des années 70 et au début des années 1980, et dans des pays où euh, on pourrait dire qui avaient été marqués depuis l'après-guerre, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, par des, à la fois des politiques de. Plein emploi et de développement économique, des politiques de mise en place d'un état social, ce que le, nos collègues anglo-saxons appellent le welfare state, en français on, on dit parfois état-providence, et des politiques qui visaient à une élévation du niveau de scolarisation et de formation des nouvelles générations, la plupart du temps par la mise en place d'un système scolaire unifié et par la généralisation de l'accès à l'enseignement secondaire. Donc on a la mise en place dans les années d'après-guerre de ce que euh, on appelle le modèle compréhensif hein, d'une école euh, commune qui comprend non seulement les années de scolarisation de l'école primaire mais le premier niveau de l'enseignement secondaire avec donc le modèle de la comprehensive school en angleterre ou du collège unique en france et on pourrait dire avec euh, ce type de politique qui était argumenté dans les années d'après-guerre au nom de la lutte contre l'inégalité sociale de scolarisation et l'égalité était pensée comme une égalité d'accès. Il fallait que tout le monde puisse entrer dans l'enseignement secondaire pour lutter contre les inégalités qui étaient des inégalités de scolarisation et non pas des inégalités de réussite scolaire, puisque les élèves n'étaient pas scolarisés dans les mêmes réseaux. Les uns étaient scolarisés dans une école primaire qui se suffisait à elle-même, là où les autres étaient scolarisés en enseignement secondaire. On pourrait dire en quelque sorte que ce modèle de, du Comprehensive School, ce modèle compréhensif euh, mis en place donc, dans les États européens qui ont commencé la politique ZEP, donc la France, l'Angleterre, la Suède, la Belgique, en la Belgique c'est un peu plus compliqué, euh, les politiques d'éducation prioritaire qui naissent dans les années 70 signent en quelque sorte l'achèvement de ce modèle. Mais l'achèvement en français, excusez-moi, ça a deux sens. Euh, je ne sais pas si c'est traduisible en, en catalan, euh, achèvement, c'est à la fois euh, on a achevé de mettre en œuvre les réformes structurelles de ce type-là, mais l'achèvement, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que ce modèle était insuffisant à remplir les promesses qu'on attendait, c'est-à-dire que la réduction des inégalités sociales n'était pas au bout du compte, n'était pas réalisée, et que les inégalités sociales n'étaient plus entre ceux qui accédaient à l'enseignement secondaire et ceux qui n'y accédaient pas, mais entre ceux qui y réussissaient et ceux qui n'y réussissaient pas. Et donc, la thématique de l'inégalité s'est transformée en revendication de lutte contre l'inégalité, de réussite, d'apprentissage et pas simplement d'accès. Et donc, les politiques d'éducation prioritaire se mettent en place de, dans cette période-là, et euh, dans une problématique... Qu'on pourrait appeler, et ce sera le, le qualificatif que je donnerai au premier âge donc de ce type de politique, ce sont des politiques à euh, orientation compensatoire. On a parfois l'habitude de les appeler des politiques compensatoires, c'est-à-dire l'argumentaire assez euh, massif. En France, par exemple, le mot d'ordre qui préside à la mise en place de cette politique, c'est le mot d'ordre donner plus à ceux qui ont moins. Donc c'est bien l'idée que les enfants de milieux. Euh, socialement euh, défavorisés massivement les, les enfants de milieu populaire euh, auraient des conditions euh, d'éducation et de socialisation dans leur environnement social et familial déficitaire qui euh, pénaliserait leur possibilité de réussir à l'école et que donc l'action ciblée sur ces catégories d'élèves devrait viser à renforcer l'action de l'école pour compenser les déficits dont euh, leur socialisation euh, les doterait, si je puis dire. et on a, à l'époque, euh, dans ce premier âge, une, euh, donc des politiques ciblées avec une cohérence très forte entre trois modes de ciblage. un ciblage sur des catégories de population, donc ceux qui sont les plus victimes de l'inégalité ou de l'échec scolaire, qui sont donc massivement... Alors, en France, on les pense massivement en termes de milieux sociaux ou de classes sociales. Dans d'autres pays, on va les penser plus en termes de minorités ethniques ou linguistiques. Euh, C'est les mêmes. Voilà. Simplement, on a des pensées sociologiques et politiques qui diffèrent d'un pays à l'autre, ou en France, on va minorer sans doute... La question de l'ethnicité ou de la, au profit d'une approche en termes de classe sociale, là ou dans d'autres pays, ce sera plutôt l'inverse. Mais les, les milieux visés sont à la fois les milieux les plus, les milieux populaires, qui se trouvent à être massivement dans ces pays-là des milieux où la, les catégories de l'immigration sont les plus représentées. Donc, premier mode de ciblage des catégories de population. Deuxième mode de ciblage, très cohérent à cela, c'est un ciblage sur des territoires ces politiques sont des politiques territorialisées c'est-à-dire qu'on va cibler des zones en anglais des areas où se concentrent de manière très importante significativement importante les catégories de population les plus touchées par les difficultés sociales économiques et scolaire. Alors, social-économique, c'est qu'on est, qu est sorti de la période du, de l'État-providence pour entrer dans les périodes de développement du chômage, de la précarité, du retour de la pauvreté. Et donc, on va cibler des zones qui sont massivement des quartiers urbains, d'ailleurs, lesquelles vont être également non seulement l'objet de politiques scolaires, mais également de politiques de réhabilitation, de renouvellement urbain, de assez fortement. Et troisième mode de ciblage cohérent avec les deux premiers, c'est qu'on va cibler des établissements scolaires qui sont ceux qui sont situés dans ces dans ces zones et ceux qui accueillent donc la plus forte proportion d'élèves. Donc on a un mode de ciblage. Euh, les établissements scolaires sont à la fois pensés comme l'unité qui permet d'atteindre les élèves que l'on veut euh, cibler et aussi comme l'unité où on va Solliciter la réflexion, l'initiative collective pour trouver des solutions que l'État central ne serait pas en mesure de proposer. Donc, euh, l'établissement, c'est à la fois l'unité de, de ciblage et l'unité dont on attend l'invention euh, de solutions novatrices. Donc, grande cohérence de ces trois modes de ciblage avec néanmoins du point de vue des problématiques compensatoires des débats relativement importants entre euh, d'abord dans les milieux scientifiques massivement euh, l'argumentaire est massivement sociologique à l'époque et vous avez un certain nombre de travaux d'ordre sociologique alors il y, a, il y a quelques grands noms qu'on peut citer en France il y a deux noms importants de sociologues l'un qui est très connu qui s'appelle Pierre Bourdieu donc j'imagine euh, tout le monde connaît le nom ici l'autre qui est quelqu'un qui s'appelle quelqu Vivien Nisembergamatic qui sont les deux refondateurs de la sociologie de l'éducation en France dans les années 60 en Angleterre quelqu'un comme Basil Bernstein qui vont critiquer l'approche compensatoire évoquée tout à l'heure en disant qu'elle a deux inconvénients majeurs. La première, c'est de ne définir les populations et les élèves qu'en termes de manque et non pas en termes de ressources, et donc de ne pas pouvoir... Se faisant euh, définir des ressources qui seraient des points d'appui pour des mobilisations au service, non seulement de réussite scolaire, mais de dynamique de développement social. Et la deuxième, plus importante, c'est, euh, enfin, plus importante, au moins également importante, c'est que cette optique. Euh, Risque de ne voir les causes de la difficulté ou de l'inégalité scolaire que du côté des familles et des élèves et dispenserait, pourrait minorer la nécessaire interrogation sur en quoi le fonctionnement de l'institution scolaire est également producteur d'inégalités sociales, producteur de phénomènes de domination ou de disqualification culturelle et symbolique pour les élèves des milieux concernés. Et donc l'idée. Donc on va avoir un débat théorique et euh, également politique entre optique euh, compensation ou démocratisation, pour faire vite, entre une approche déficitariste ou une approche mobilisatrice, et ce qui va euh, donner lieu à beaucoup de controverses, euh, aussi bien scientifiques que théoriques, et qui va euh, faire que cette politique à l'origine, ces politiques à l'origine vont être entre une visée, on va dire, correctrice, il faut donc corriger les déficits dans son porteur, les élèves, par un renforcement de l'action éducative ou une visée transformatrice, en disant il faut transformer le mode de fonctionnement de l'école, si on va avoir des chances de euh, contribuer à réduire les inégalités sociales. Et ce débat, on a une tension contre, tout à fait importante là, et avec beaucoup d'espoir en France, par exemple, cette politique se met en place en 1980, alors que. Euh, un gouvernement de gauche revient aux, aux affaires pour la première fois depuis 1958. Euh, et avec donc de grands espoirs, et le, des collègues de l'Institut national de la recherche pédagogique à l'époque, voulaient voir dans les ZEP ce qu'ils appelaient un laboratoire du changement social en éducation. Les ZEP, c'était les zones d'éducation prioritaire. Un laboratoire du changement social en éducation. C'est-à-dire l'idée, c'était ce qu'on va inventer dans les ZEP, ce n'est pas simplement... Euh, quelque chose qui serait pertinent pour améliorer la situation scolaire des élèves de ces zones mais c'est on va inventer des solutions qui vont nous permettre de démocratiser l'ensemble du fonctionnement enfin le fonctionnement de l'ensemble du système éducatif. Donc l'idée était le les EP, ces politiques peuvent être une ressource pour transformer le système éducatif pour tous. Pas simplement voilà, ce premier âge, donc euh, avec ce débat entre euh, optique compensatoire ou optique transformatrice, se met en place euh, alors qu'on est dans des modes de régulation et de, pilote, de définition et de mise en œuvre des politiques éducatives euh, qu'on pourrait appeler, en rep je reprends l'expression d'un collègue belge qui s'appelle Christian Maroua, comme relevant d'un modèle bureaucratico-professionnel. Alors qu'est-ce qu'il entend par là Donc là, je, oui, je quitte les, les domaines des politiques prioritaires pour m'intéresser à l'ensemble des politiques éducatives. Ce que Christian Marois appelle le modèle bureaucratico-professionnel de conception et de mise en œuvre des politiques éducatives, c'est un modèle, alors bureaucratique c'est au sens de Max Weber, c'est pas au sens péjoratif, c'est l'idée qu'on a un, des autorités politiques, la plupart du temps l'État national. Ça peut varier selon les pays, qui définit des normes communes et a priori pour tous les élèves, qui sont censés être une garantie de traitement égalitaire et équitable pour tous les élèves. Alors en France, on a des programmes communs, des modes de recrutement des enseignants et d'assignation des enseignants à des postes. Euh, régie par l'État, réglementé par l'État. On a des horaires communs, on a toute une série de choses comme ça. Donc des normes a priori. Donc l'État est prescripteur de normes, mais ce modèle de prescription de normes a priori s'accompagne d'une très large autonomie professionnelle des enseignants et de leurs organisations collectives, professionnelles. Alors, qui sont chargés de mettre en œuvre, de mettre en musique, j'ai envie de dire, mettre en œuvre les normes a priori. Et on a peu de contrôle sur les pratiques enseignantes. On a des normes qui pèsent sur elles a priori, mais on a peu de contrôle sur l'effectivité et l'exercice même de ces pratiques enseignantes. Et on laisse une très large part d'autonomie à cela. Ce modèle va être dès les... Donc ce modèle donc est le... celui qui domine dans les années de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au milieu des années 70-80, où il va être sous le feu de critiques convergentes en apparence, mais menées de points de vue différents. Il va être l'objet d'une critique... Qu'on va pouvoir dire euh, émanant plutôt de milieux politiques euh, situés à gauche, qui vont lui reprocher de ne pas tenir les espoirs de... de réduction des inégalités sociales, de démocratisation euh, qu'on avait mis en lui. Et il va être l'objet également d'une critique plutôt conservatrice, ou plutôt émanant des milieux politiques euh, plutôt à droite, qui vont lui reprocher son manque d'efficacité ou son manque de compétitivité économique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux critiques convergent pour souligner la rigidité des systèmes éducatifs et pour dire qu'il faut moins de prescriptions a priori et plus d'initiatives laissées aux unités locales que sont les établissements, aux enseignants. Et donc on va voir rapidement euh, se mettre en place de nouveaux modes de pensée et de mise en place des politiques éducatives, et qu'on voit dominant aujourd'hui à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale, qui euh, vont renoncer, on pourrait dire, au modèle de l'État prescripteur, a priori, euh, et à la large autonomie professionnelle, au profit de la conjugaison de deux autres, euh, deux autres manières de faire, deux autres modèles que Christian Marois toujours appelle le modèle du quasi-marché, le modèle de l'État évaluateur. Alors, modèle de quasi-marché, j'explicite euh, rapidement, mais vous connaissez ça, c'est le, le, le fait qu'on va considérer de plus en plus que le bien éducatif euh, pourrait être euh, l'objet de logiques de, de choix et de concurrence, d'offres et de demandes, obéir à une logique d'offres et de demandes, et que donc il faudrait euh, donner plus de liberté aux familles de choisir l'établissement et le type de parcours scolaire qu'elles souhaitent pour leurs enfants, et par ailleurs donner plus d'autonomie, plus de liberté et de marge de manœuvre aux établissements pour offrir, diversifier une offre de formation qui répondrait aux demandes des familles. Donc on a une double logique hein, de euh, euh, mise en semi-concurrence des établissements et d'accroissement de la marge de choix des familles comme pensée sur le modèle du consommateur, avec l'idée que la qualité émergera de la mise en concurrence sur un semi-marché, donc régi par une loi de l'offre et de la demande, mais avec néanmoins quand même de l'obligation. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça que ce n'est pas vraiment un marché. Mais au lieu que la qualité soit censée être garantie par la prescription de normes a priori, la qualité est censée émerger. Donc de la loi de l'offre et de la demande, les meilleurs établissements euh, survivants, là où les plus mauvais euh, n'auraient plus d'élèves, si, euh, et donc disparaîtraient d'eux-mêmes, euh, même si euh, parfois les, euh, les, États, les États ou les autorités politiques les aident en disant on va vous fermer si vous n'avez pas de bons résultats, etc. Sauf que ce modèle de quasi-marché, pour qu'il puisse être instrumenté, faut il faut qu'il dispose d'outils, et l'outil, ça ne va plus être des normes a priori, mais ça va être... Des évaluations, des outils de mesure, de résultats. Il faut mesurer, évaluer le produit éducatif qui est l'objet de l'offre et de la demande, d'où la montée très, très importante et très rapide dans la plupart des pays concernés, mais à l'échelle internationale, de cette thématique de l'évaluation, des enquêtes nationales et internationales. D'évaluation, l'enquête PISA en est un exemple tout à fait intéressant, qui vont euh, être censés euh, mesurer la qualité du produit éducatif, puisqu'on peut les décliner, et elles se déclinent euh, les unes et les autres. À l'échelle, de, euh, on peut classer les pays, on peut classer les établissements, on peut classer les, les unités euh, géographico-politiques, les académies ou les départements en France, pour dire voilà, euh, tel établissement est plus performant que l'autre, et on voit se publier euh, dans. Officiellement, dans les organes officiels ou dans les organes moins officiels, des barèmes, des, euh, des palmarès, des, des listes d'établissements, de, euh, les unes plus ou moins sérieuses. Et on voit par exemple en France le service statistique du ministère répondre à la publication par la presse de classements d'établissements pas, pas très sérieux, mal calculés, par un classement d'établissements plus sérieux, mais qui répond au même principe. Donc, le service public répond au même principe que l'offre marchande, avec simplement des outils plus sérieux d'évaluation et de classement. Et donc, ce qui est tout à fait intéressant là, et je reviendrai, c'est que ces évaluations euh, et les résultats euh, ne sont plus seulement des outils de connaissance, mais deviennent au service des autorités politiques des outils de transformation. Des outils qui vont peser sur l'invitation quand je dis l'invitation c'est parfois une invitation euh, tout à fait contraignante au système éducatif aux établissements voire aux pratiques enseignantes d'avoir à se transformer pour pouvoir rendre des comptes en termes de résultats de résultats satisfaisants donc on voit bien que on n'a plus un, un état prescripteur de normes mais un état qui laisse la qualité émerger de la loi de l'offre et de la demande et puis on n'a plus euh, en revanche une délégation à l'autonomie professionnelle des enseignants, mais les enseignants et tous les agents scolaires sont de plus en plus soumis à une injonction de reddition de comptes, accountability, disent nos collègues anglo-saxons, et une injonction d'avoir à promouvoir et à mettre en œuvre ce qu'on va appeler les bonnes pratiques sans nécessairement être tout à fait solide sur le jugement de bonnes pratiques, et de faire diminuer les mauvaises pratiques. C'est ce que nos collègues anglo-saxons appellent les logiques de blaming and shaming, c'est-à-dire il faut blâmer, faire la honte aux mauvaises pratiques pour pouvoir promouvoir les bonnes pratiques. Et ça, ça se joue en termes de gouvernance des systèmes éducatifs. L'enquête PISA euh, est tout à fait prégnante en termes de gouvernance des établissements comme en termes de pratiques professionnelles. Donc là, on a le paysage générique qui s'est se, qui transformé. Donc je suis allé très vite et un peu de manière schématique, mais comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne peux pas faire mieux. Si je reviens aux politiques d'éducation prioritaire, on va voir comment les politiques d'éducation prioritaire vont à la fois subir l'influence de cela, mais elles vont contribuer aussi à cela. -à elles ne sont pas simplement, elles s'inscrivent bien évidemment dans les évolutions politiques générales, mais dans les deux sens. Elles en subissent les effets, mais parfois elles contribuent aussi à ces, à ces politiques-là. Et donc, dans le deuxième âge des politiques d'éducation prioritaire, ce qu'on va voir très très vite, et ça va être lié à cette montée en puissance de l'État, Évaluateur, régulateur du, mar du marché ou du quasi-marché, c'est qu'on va voir monter en puissance très très rapidement les deux thématiques complémentaires de alors, efficacité et équité d'un côté et lutte contre l'exclusion de l'autre. C'est-à-dire que on va, sub on va voir très très euh, spectaculairement. Les, euh, on dire le champ sémantique de la lutte contre les inégalités s'effacer au profit du terme équité, qui est un terme euh, avec un argumentaire scientifique qui dit l'équité c'est intéressant parce que ça permet de pluraliser les manières de penser l'inégalité et on peut penser euh, de manière plus complexe qu'on ne le faisait avant Lutter contre les inégalités d'accès, que j'évoquais tout à l'heure, contre les inégalités de traitement, est-ce qu'il suffit que tout le monde ait accès au même type d'établissement pour que le traitement pédagogique qu'on leur, qu qu leur réserve soit équivalent. Et par exemple, est-ce qu'ils ont le même type d'enseignants Est-ce que les enseignants sont également formés, également disposés Et on sait par exemple qu'en France, les établissements les plus euh, difficiles sont les établissements où euh, sont massivement affectés les enseignants les moins expérimentés, parce que les plus expérimentés les fuient. Donc égalité de traitement, égalité de résultat. Est-ce que les élèves apprennent effectivement ou pas de manière moins inégalitaire, ou obtiennent des diplômes de manière moins inégalitaire. Et puis, égalité de réalisation, c'est-à-dire est-ce que le capital scolaire acquis dans un parcours scolaire peut donner lieu aux mêmes possibilités de réalisation dans l'univers socio-économique une fois quitté l'école. Donc on a un argumentaire qui est tout à fait intéressant pour justifier l'équité, mais ce qu'on constate au niveau scientifique, ces choses-là sont portées par, entre autres par... Euh, des collègues qui ont fondé un groupe de, de recherche autour euh, avec Marc Demeuse et je, je crois qu'il y a un collègue ici qui participe à cela euh, donc c'est tout à fait intéressant mais sur le plan politique cette question de l'équité va massivement se décliner autour de la thématique du minimum et on va le voir à l'échelle européenne comme à l'échelle de beaucoup de pays euh, à l'échelle nationale de beaucoup de pays où l'équité c'est va être conçu essentiellement comme Comment viser à garantir à tous les élèves l'acquisition d'un socle de compétences supposées de base, qui est, serait le niveau de compétences scolaires ou intellectuelles minimum pour ne pas être victime de l'exclusion sociale Préoccupation tout à fait... Euh, importante de se préoccuper du sort des vaincus de la compétition scolaire, pour reprendre une expression de François Dubé qui m'a précédé ici, mais qui n'est pas pour autant garante de la réduction des inégalités scolaires. Parce que si les règles de la compétition scolaire ne se transforment pas, ne changent pas, vous pouvez... Faire en sorte que les perdants de la compétition scolaire sachent plus de choses qu'ils ne savaient avant, mais ils continuent à rester les perdants de la compétition scolaire et les gagnants de la compétition scolaire peuvent savoir, eux aussi, beaucoup plus de choses qu'ils ne savaient avant. Et par exemple, les données de l'enquête PISA concernant la France montrent qu'entre. Pisa 2000 et Pisa 2009, puisque que là on a des éléments de comparaison, parce que les, les enquêtes euh, portent sur des choses plus comparables que les enquêtes précédentes, montrent que entre 2000 et 2009 en France, on a accru la part de l'élite scolaire, c'est-à-dire des élèves qui sont les plus performants dans le, le, les 20% les plus performants de, de Pisa, et on a également accru les, la part d'élèves les moins performants. Donc cette thématique de l'équité se décline aujourd'hui quasi exclusivement autour de la question des compétences minimums et autour de la thématique de l'exclusion sociale. Et les politiques scolaires de type éducation prioritaire vont très massivement se déporter d'un ciblage sur des questions d'apprentissage et de renforcement de moyens pédagogiques. Vers un ciblage de traitement des phénomènes scolaires ou parascolaires liés à, au risque d'exclusion sociale. Et on va voir se multiplier des programmes visant à lutter contre l'abandon scolaire, la délinquance scolaire, c'est-à-dire toute une série de choses liées à cette thématique de l'exclusion, et qu'on va de plus en plus traiter en elle-même. Sans nécessairement prendre en considération le rapport qu'elles peuvent avoir avec la question de l'inégalité scolaire et du sort des perdants de la compétition scolaire. En quelque sorte, on va les traiter comme étant la maladie, alors qu'on peut penser qu'elles sont plutôt, ou qu'ils sont plutôt le symptôme d'une maladie qui relève de processus sociaux et scolaires, de production d'inégalités, de production de marginalisation, de production de sentiments de ségrégation. Et ce glissement euh, est tout à fait important et va donner lieu à la production d'une métacatégorie, ce qu'on appelle une espèce de catégorie générique, qui va. Euh s'intéresser à ces questions-là, donc de difficultés, euh, risques de d'échec scolaire, risques de délinquance, risques de d'abandon scolaire, et on va produire cette catégorie tout à fait intéressante de facteurs de risque ou d'élèves à risque, avec la promotion d'un modèle, et, y compris de recherches très très importantes et qui sont tout à fait intéressantes. Hein, je ne dis pas, mais euh, un, sur un modèle de type épidémiologique où on va penser donc des élèves à risque d'échec d'abandon scolaire vous voyez bien que si on parle d'élèves à risque on minore de fait la part prise par l'institution scolaire dans la production des risques et cette catégorie d'élèves à risque qui au passage cible sur des individus, va préparer la voie, donc le, mon deuxième âge des EPS, c'est de, un deuxième âge qui est dominé par cette thématique de lutte contre l'exclusion et pour l'équité définie au sens restreint comme le minimum, et la catégorie d'élèves à risque, la méta-catégorie d'élèves à risque qui euh, émerge dans cette période-là, va frayer la voie au troisième âge au troisième modèle de ces pédagogies, de ces politiques d'éducation prioritaire qui va effacer quasiment totalement la référence au territoire pour ne plus se référer qu'à des individus. Et qui va être catégorisé, ce troisième âge des EP, on peut le nommer, je l'ai nommé, je vais essayer d'expliquer pourquoi, une, un modèle non plus de lutte contre l'inégalité et de compensation, non plus même de lutte contre l'exclusion, mais ce que j'appellerais de maximisation des chances de réussite de chaque individu, c'est-à-dire un modèle d'égalité des chances au sens très individuel. Du terme et je vais y revenir. Alors, à quoi on voit ça dans nos données, dans nos recherches ben, Ce qu'on observe, c'est euh, dans la plupart des pays où ce type de politique était déjà ancien, donc on, on a vu se déplacer la focale des questions d'apprentissage vers les questions, on va dire, de lutte contre l'abandon, contre la violence, etc. Le climat scolaire et tous ces choses-là. On va le voir ensuite se multiplier, se fragmenter des programmes, des modes de ciblage. Et on a aujourd'hui de manière très très impressionnante en Angleterre, mais on, va, on voit la même chose en République tchèque et c'est tout à fait intéressant, il est de plus en plus difficile de parler de politique d'éducation prioritaire au singulier, parce qu'on va voir se multiplier des programmes de plus en plus nombreux, ciblant... Une petite partie de la population, alors les enfants roms, les enfants originaires de telle autre minorité ethnique ou linguistique, les garçons ou les filles, les élèves handicapés, les élèves issus de parents réfugiés politiques ou réfugiés, les élèves doués et talentueux, gifted, talented pupils, je vais revenir. Donc on a une multiplication de catégories d'élèves ciblés qui euh, fait passer en arrière-plan la composante sociologique qui était dominante dans le premier âge des ET. Et surtout, qui est tout, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que de plus en plus dans les politiques ciblées s'affirme, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen, cette catégorie de gifted and talented pupils, les élèves doués et talenteux. C'est-à-dire une catégorie qui n'est plus définie par un désavantage réel ou supposé, mais au contraire par un avantage, que les systèmes, qui est qu un avantage, la plupart du temps, pensé sur le modèle individualisant, voire essentialisant, c'est-à-dire comme étant des caractéristiques quasi naturelles des individus. Je passe pendant la discussion sur le sérieux de cette hypothèse, qui pour moi n'est pas très grand, mais euh, c'est autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que on a là la montée en puissance d'une logique où on a, qui dirait on a des individus qui ont telles caractéristiques qui sont constitutives d'eux-mêmes et il faut donc multiplier, fragmenter les types de politiques pour permettre à chacune de ces catégories d'élèves de maximiser ses chances de réussite en fonction de ce qu'elle est. Chaque élève doit pouvoir aller jusqu'au bout de son potentiel, de ses aptitudes, de ses talents, de ses mérites, de son potentiel. Donc on a un, un, un élargissement du champ sémantique euh, qui euh, justifie, qui se euh, soutient de caractéristiques individuelles considérées comme quasiment naturelles, et avec l'idée qu'une politique éducative moderne serait beaucoup moins une politique pensée par l'État au service d'une formation sociale politique de service public mais serait une politique ou une fragmentation de politique au service de catégories d'élèves voire d'élèves particuliers considérés les uns indépendamment des autres et considérés dans leur nature et on a l'émergence d'une deuxième métacatégorie très intéressante sur laquelle il y aurait d'ailleurs un débat qui est la catégorie d'élèves à besoins éducatifs spécifiques mais avec une tendance très très grande à penser les besoins comme constitutifs des individus et à euh, peu interroger quels sont les processus sociaux et scolaires constitutifs qui donnent forme et qui donnent contenu aux besoins des élèves et qui donc sont éventuellement susceptibles de transformer les besoins, de faire advenir chez les élèves, en particulier les élèves les plus précarisés, de nouveaux besoins. Et donc on a une politique qui est de moins en moins, si on peut analyser les choses en ce terme-là, une politique de service public, une, de plus en plus une politique au service des publics, et qui se marque par euh, une très très forte individualisation des politiques éducatives, fragmentation, et qui va se conjuguer, on va dire avec une thématique très liée également au modèle épidémiologique que j'évoquais, avec donc la multiplication de logiques de de traitement différencié, voire de dépistage. Il faut donc dépister alors, soit les élèves à risque, soit les élèves, euh, soit l'excellence précoce et Réserver un traitement scolaire et éducatif le plus différencié possible aux différentes catégories d'élèves, ainsi dépister Alors, aux uns les élèves chez lesquels on pourrait déceler une excellence précoce. Un traitement permettant l'excellence. Alors en France, on a aujourd'hui le développement de ce qu'on appelle les internats d'excellence, qui sont le fait de prendre des élèves supposés méritants, supposés à fort potentiel, des milieux populaires, pour les scolariser à l'écart de leur famille, à l'écart de leurs établissements scolaires, pour maximiser leurs chances de réaliser leur potentiel d'excellence. Et puis, autre, à l'autre pôle, les logiques de dépistage, c'est les logiques de dépistage des élèves à risque d'être délinquants, d'être euh, fauteurs de troubles, etc., avec, y compris, des rapports parlementaires euh, voulant dépister les élèves susceptibles d'être délinquants dès l'âge de 3 ans. On a ça en France, je ne sais pas si c'est arrivé chez vous. Mais... Euh, et puis, au milieu, pour les élèves, ben, la plupart du... on va voir euh, se, se conjuguer à cette thématique du dépistage soit des excellents soit des, enfin, soit j'ai envie de dire de manière un peu polémique, je vous prie excuser, soit des bons pauvres d'un côté pré, euh, promis à l'excellence, soit des mauvais pauvres euh, promis euh, à euh, faire partie des classes dangereuses. On va voir se développer pour les autres la thématique du minimum, du socle de compétences ou de connaissances, et la question et politique et scolaire et pédagogique de Lutte contre les inégalités et d'interrogation du fonctionnement du système éducatif en tant que contribuant à la production de ces inégalités a totalement disparu du débat politique. Et ce qui est tout à fait intéressant, donc on observe ces mesures-là, ce mouvement-là, dans l'ensemble des pays que l'on a étudiés, donc évidemment pas de manière homogène, il y a des des différences entre ces différents pays, ne serait-ce que parce que certains ne sont venus à ce type de politique que très récemment et n'ont connu que le troisième âge, n'ont pas connu les deux premiers. j'ai évoqué la Roumanie ou la République tchèque. Euh, et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans aucun des pays qui ont connu les trois âges, euh, on a de débats politiques explicites sur la réorientation de ces politiques. Et on continue à appeler aujourd'hui politique d'éducation prioritaire des politiques. Relevant du troisième âge, qui n'ont pratiquement plus rien à voir avec les politiques qui s'appelaient comme ça initialement, qui relevaient du premier âge. On pourrait concevoir que des choix politiques délibérés optent pour tel ou tel modèle, mais ça ne fait jamais l'objet de débats politiques. Et en France, on a cette, ce paradoxe que la mise en place d'une politique d'élection prioritaire en 1981 avait des objectifs politiques clairs qui ne faisaient pas consensus, puisque le principal syndicat d'enseignants a euh, essayé de faire euh, a, donc, euh, porter plainte devant euh, une, une juridiction administrative pour essayer de faire euh, annuler cette politique aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire l'éducation prioritaire mais plus personne ne sait ce que c'est et on peut même penser que c'est aujourd'hui euh, tout autre chose voire des politiques inverses de celles qu'on a appelées comme cela au début des années 80 mais au-delà de la situation française, euh, on a un mouvement d'ensemble qui, évidemment, est lié au, aux politiques, euh, au changement des modes de, de pilotage des politiques euh, éducatives générales, mais qui a contribué également, puisque euh, le, la, une partie des manières dont on a pensé l'action dans les aides, dont on a catégorisé les élèves, etc., a contribué au mouvement d'ensemble que j'ai essayé d'évoquer. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour qu'on ait du temps pour échanger et pour euh, amener des précisions selon les questions que vous aurez, mais voilà, comme j'avais promis de ne pas parler plus de 45 minutes, j'ai tenu mon temps, donc je m'arrête là. Merci à vous.